Je m'appelle Marie et ma marque c'est Mago. Quand j'étais gamine, c'était... Non mais surtout, la première fois que je me suis posé la question, je me suis dit, maman, c'est comment elle a fait, c'était ma grand-mère, et où on avait un mariage, le mariage d'une tante, et où elle nous a fait nos robes de demoiselle d'honneur avec ma sœur. Et je fais, mais comment elle a fait ça? Elle avait un vieux, elle a lâché du tissu au maître, donc un carré de tissu, et elle en a fait deux petites robes avec des petites manches ballons, des machins, enfin, mais comment elle a fait? Tu utilises de la viseline, ce qu'on appelle la viseline, c'est un thermocollant dont tu passes au fer par-dessus, tu colles la viseline dessus, tu découpes tout donc dans les bonnes formes, et après tu passes au montage. Le moteur, il a failli me péter entre les mains, et quand je dis entre les mains, c'est vraiment entre les mains, et qu'elle était dangereuse. Et puis là, moi je la considère pas trop en ce moment parce qu'elle est nulle. elle est nulle. Tu peux être frustrée, voilà, quand tu sais que ça peut fonctionner, mais que là, en l'occurrence, ça matche pas parce que t'as un tissu qui va pas, ou que... Enfin, justement, c'est ça qui est chouette, c'est que t'as une palette de sensations et de ressentis qui est assez impressionnante, quoi. Voilà. Je sais même pas si j'espère être célèbre. Je sais pas. Non. Juste pouvoir vivre.